Bonjour à tous, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer comment agrafer une planche de bois. Donc, c'est de l'agrafage sur un socle en bois. Là, c'est un arrondi. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis notre tape, qu'on a recouvert déjà une planche, qu'on a mis en haut, en bas et sur les côtés, on va s'attaquer aux difficultés. Donc, la difficulté, c'est un angle. Et je vous invite à regarder une autre vidéo pour savoir comment faire un angle chez STS. Et là, on va faire un arrondi. Bien évidemment, cette technique, c'est la nôtre. Vous en trouverez forcément d'autres sur Internet. Alors, pour ce faire, déjà, la première des choses, c'est de poncer votre bois pour que vous ayez un arrondi et pas un angle cassant qui va faire que vous allez avoir une coupe nette sur le tape. Donc là, c'est ce qui a été fait au préalable. Nous, généralement, on commence comme ça, c'est-à-dire qu'on va prendre le milieu de l'arrondi, on va mettre une agrafe de travers au loin avec un agrafeur pneumatique, et ensuite on va chercher à casser les plis. Donc là, vous avez un grand pli, là vous allez en avoir un autre. Voilà, donc là, je fais comme ça. Et donc il faut casser les plis, donc faut les diviser. Donc là, je divise en deux. Je mets une agrafe de travers. Et puis, on va encore rediviser en deux le pli jusqu'à ce qu'il soit le plus petit possible. Lorsque vous vous trompez, il vous faut un dégrafeur à proximité. Et donc, là, vous allez simplement tirer pour effacer les plis que vous avez ici. Et vous allez agrafer en poussant le tape. Pour proposer quelque chose d'assez plat. Donc voilà comment nous on réalise un arrondi. Donc là c'est pareil, vous avez encore un grand pli, donc on le divise en deux. Et sur ce qui reste, on redivise encore en deux. Donc là on attaque le grand pli, une en travers. Donc là, vous avez enfin votre arrondi. Voilà. Donc l'arrondi de fait avec aucun pli de ce côté et avec bien moins de plis de celui-là. Nous procéderons ensuite avec un agrafage beaucoup plus propre, plus près, de manière à avoir quelque chose de qualitatif. Voilà, vous savez tout de comment faire un arrondi à l'agrafage. N'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire si vous aimez cette vidéo, si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à nous contacter. Et si vous voulez vous former, vous pouvez très bien soit réaliser un stage ou nous rejoindre dans notre équipe chez STS La Sellerie, tout simplement. Merci à vous, à bientôt, salut!